Bonjour, je suis Milly Lavoisier. Je vous souhaite la bienvenue sur cette formation que nous organisons donc tous les lundis soirs à 21h pour vous donner toutes les actualités concernant eTworks, toutes les nouveautés, toutes les informations qui vont vous être utiles pour le développement de votre réseau avec eTworks. Et également pour vous donner une formation sur des méthodes, systèmes, techniques que j'utilise, que les leaders utilisent pour développer leur réseau et avoir plus de réussite. Donc ce soir, je vais commencer par une partie actualité avec des informations importantes qui vont vous aider à développer votre activité encore dans de meilleures conditions. Et ensuite, je passerai à une partie plus formation, où on va parler de comment systématiser votre approche pour pouvoir bien mesurer vos résultats et surtout avoir des résultats constants, réguliers, qui vous permettent de construire un réseau solide. Alors, pour ceux qui peut-être seraient sur cette conférence pour la première fois, comme nous avons beaucoup de distributeurs qui viennent de nous rejoindre, peut-être que certains d'entre vous ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Milly Lavoisier. Et c'est moi, avec Marco, mon compagnon, qui avons introduit eTworks en France en août 2012. Donc ça fait un petit peu moins d'un an. Je faisais déjà du marketing de réseau à l'époque et eTworks est arrivé en France à la suite de la fusion avec l'autre entreprise que je développais. Je suis la première personne à être passée diamant avec eTworks en France en seulement un mois et demi. Depuis, on a eu ce record qui a été battu à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, mais j'en félicite ces diamants qui d'ailleurs ne sont plus diamants maintenant, mais ont passé les échelons supérieurs. Et je suis passée président diamant avec un autre de mes distributeurs qui s'appelle Reda avec eTworks alors seulement 7 mois pour moi et lui-même moins longtemps parce qu'il a démarré quelques mois après moi. Et j'ai été une des premières à utiliser Internet pour agrandir ma liste de noms. Donc, si vous faites un petit peu de recherche sur moi et mon parcours, vous verrez que autant aujourd'hui je forme et j'encourage mes distributeurs à développer avec les wrap parties, qui est un concept très intéressant pour développer eTworks, mais j'ai aussi un parcours où j'ai appris à utiliser Internet et j'ai enseigné à d'autres à utiliser Internet pour agrandir leur liste de noms et pour recruter des distributeurs qu'ils ne connaissaient peut-être pas en utilisant Internet. Donc, vous voyez que mon parcours est varié et que j'ai fait plein de choses différentes en marketing de réseau. Une approche différente de prospection surtout. Alors, la semaine dernière, donc dans cette formation du lundi soir, j'ai parlé d'un certain nombre de points que je voulais vous rappeler ce soir parce que je pense que ce sont des choses qui vous seraient à nouveau utiles si je les répétais, mais on va gagner du temps et je vais vous indiquer comment retrouver l'enregistrement de la formation de la semaine dernière. Je vous avais parlé de la façon de communiquer et d'ajouter des personnes sur notre groupe Facebook. Donc, c'est le groupe Facebook eTworks Global Francophone Equipe Prospère dont je vous avais parlé la semaine dernière. Et comme je vais en reparler tout à l'heure en formation, si vous ne savez pas ajouter quelqu'un sur le groupe Facebook, je vous invite à revisionner la formation de la semaine dernière. Je vous avais donné aussi les différents liens des playlists YouTube, c'est-à-dire des regroupements de vidéos. Une playlist, c'est un regroupement de vidéos, avec surtout les vidéos majeures de formation et de prospection. Donc ça peut aussi bien être des vidéos de formation sur le blitz et les wrap parties, mais il y a aussi des vidéos de prospection avec des présentations de eTworks que vous pouvez envoyer par email ou que vous pouvez envoyer par chat si vous êtes amené à discuter de l'activité sur Internet et que les gens habitent loin de chez vous et que vous ne pouvez pas leur faire une présentation plus standard. J'avais également parlé du développement à l'international, en particulier dans des pays non ouverts par eTworks. Donc, par exemple, l'Allemagne ou la Suisse ou l'Italie ou l'Espagne. Donc, je vous invite à être au courant de ces informations-là pour pouvoir bien guider les personnes qui veulent s'inscrire alors que eTworks n'est pas ouvert dans leur pays. J'ai aussi parlé des étapes du succès et j'ai parlé de comment faire les placements sans contacter le service client. Alors, ça, c'est très important. C'est pour les placements des distributeurs ou des clients fidélisés. Aujourd'hui, le service client n'accepte plus de faire les placements eux-mêmes quand on envoie un ticket. Donc, il ne faut plus envoyer de ticket ou appeler le service client au téléphone pour faire ses placements. Il faut les faire directement dans l'e-suite. Et je vous avais expliqué la dernière fois comment faire ces placements dans votre e-suite. Donc, pour accéder à cet enregistrement,
Vous pouvez le trouver sur internet. Voici le lien. Donc le lien, c'est YouTube. Alors ça s'écrit youtube.be/-cr en majuscule, il en minuscule, 6, xf en majuscule, 6 et ys en minuscule. Donc en allant sur ce lien, vous allez retrouver l'enregistrement de la formation de la semaine dernière, du lundi soir, et vous retrouverez toutes ces informations. Ça a également été publié sur le groupe Facebook, donc là je vous ai mis une capture d'écran du post de la publication sur notre groupe Facebook Étoiles Globales Francophones Équipe Vie Prospère, pour que vous puissiez aussi le retrouver facilement dans la liste. Donc on va passer aux actualités de cette semaine. Donc déjà très important, samedi prochain, il y a l'événement Une équipe, une mission à Londres. Donc l'adresse exacte, c'est à l'Holiday Inn à côté de l'aéroport Heathrow. C'est dans la rue Simpson, hein, Simpson Road. Donc ça, c'est un événement important dont je vous ai déjà parlé et que je vous encourage vraiment à mettre sur votre calendrier, et je vous encourage vraiment à venir si vous en avez la possibilité, sachant qu'aujourd'hui, il y a des lignes low cost quasiment partout en France pour aller à Londres. Donc c'est pas non plus un budget très très important. Et ça vous permettrait d'assister à un événement eTworks organisé par des distributeurs eTworks, organisé par des distributeurs eTworks à Londres, en Angleterre, des diamants et doubles diamants. Et ça vous permettrait de vraiment vivre un événement eTworks, de vraiment voir comment ça se passe. C'est un événement qui devrait inclure normalement une présentation de l'activité qui va être faite par Pam Soder. Pam Soder, c'est la directrice marketing de eTworks. Elle fait partie du corporate, elle fait partie des dirigeants, des personnes qui prennent des décisions au sein d'eTworks, avec Mark Pentecost, qui est le PDG, et Mike Potillo, qui est le directeur des ventes. Et elle sera là, on aura l'occasion de la voir, de la rencontrer. Moi, je l'ai déjà rencontrée lors de la convention au mois de janvier, mais pour vous, ça sera sûrement une première. Donc, ça sera pour vous l'occasion de voir vraiment comment elle s'y prend, comment elle utilise le Partipad aussi. Et puis, il y aura une partie formation qui est prévue après. Donc, la présentation de l'activité, qui peut aussi permettre aux gens de venir se wrapper. Je crois qu'il y a une période au début qui est prévue pour les gens qui veulent se wrapper, les invités qui veulent se wrapper. Donc ensuite, il y aura la présentation d'activité, et ensuite, il y aura une partie formation qui sera faite par Pam Soder. Donc ça dure de 14h à 17h le samedi 8 juin, donc c'est samedi prochain, et c'est à Londres, à cette adresse-là. Donc si vous souhaitez venir, il faut absolument que vous réserviez votre place, puisque l'entrée est de £16,55 avec les frais de paiement en ligne compris. Et pour les invités, c'est gratuit. Donc je vous ai mis le lien pour pouvoir aller sur le site où il faut réserver. Donc en fait, c'est IW pour eTworks, go2mlondonuk2013.eventbrite.co.uk. Donc quand vous allez sur ce lien, vous achetez le nombre de places que vous souhaitez en tant que distributeur et le nombre de places invitées dont vous avez besoin, et vous validez en bas de la page. C'est très simple, il n'y a rien de plus simple. Et ça vous permet de réserver votre place pour venir à cet événement, une équipe, une mission. C'est un événement local, petit événement, c'est pas une convention, mais ça vous permettrait déjà de bien voir à quoi un événement eTworks ressemble, et d'avoir cette sensation, cette énergie, cette synergie qu'il y a entre les distributeurs. Autre chose, donc si vous planifiez de venir, même si vous n'êtes pas encore complètement sûr, envoyez-moi également un mail, de façon à ce qu'on sache un petit peu le nombre de personnes qui sont censées venir de notre groupe, à combien on doit s'attendre, qu'on soit sûr aussi de vous voir, de pouvoir échanger ensemble. Donc envoyez-moi un email à millylavoisier@gmail.com, millylavoisier@gmail.com, tout simplement. Donc ça, je voulais absolument vous en parler, c'est très important, c'est un des rares événements qui a lieu en Europe pour l'instant. Il y en aura d'autres, mais clairement, ça peut vous donner vraiment un bon coup de boost, un bon coup de pêche que d'aller à cet événement. Les autres événements eTworks à venir, alors je voulais vous en parler, même s'ils ont lieu en Floride à Bradenton et vous n'êtes pas forcément concernés. Il y a plusieurs événements corporate events. Alors le prochain événement organisé par eTworks, c'est l'événement Green Carpet, qui aura lieu le 20 et le 21 juin.
Ensuite, tous les diamants à triple diamant, donc diamant, double diamant et triple diamant, sont invités à la journée diamant à Bradenton, encore une fois, qui a lieu le 22 juin. Et le 26 et 27 juillet, il y a le bootcamp qui est organisé à Saint-Louis. Saint-Louis, le bootcamp. Donc là, c'est pas du tout au siège social de l'Étoile, c'est à Saint-Louis. Et c'est un événement bootcamp, donc c'est une sorte de mini-convention. Alors que Green Carpet, c'est plus une sorte de wrap party géante. Et la journée de diamant, c'est plus une journée leadership pour tous les diamants, double diamant et triple diamant, qui veulent se réunir en plus petit comité, même si je pense qu'ils sont très nombreux parce qu'il y a maintenant beaucoup de diamants chez Etworks, mais en tout cas, qui veulent être avec d'autres diamants, échanger sur la façon de développer le réseau. Donc voilà, ça peut être si vous comptez aller aux États-Unis, si vous avez déjà planifié dans votre esprit où vous vouliez aller bientôt et pas attendre la prochaine convention pour aller au siège social de Etworks, et que vous êtes déjà diamant, le 22 juin, ça peut être une très très bonne idée, une très très bonne date pour aller au siège de Etworks et rencontrer les dirigeants, rencontrer les personnes qui travaillent au sein de Etworks, et puis passer du temps avec d'autres diamants, double diamant et triple diamant. Voilà. Une autre information importante, c'est pas la peine de chercher le formulaire pour les personnes qui ont touché le bonus good, qui vont toucher le bonus good pour la première fois au mois de juin parce que vous êtes qualifié de diamant au mois de mai, ou vous êtes passé triple diamant ou président diamant. Sachez que vous n'avez plus besoin de fournir le formulaire pour recevoir ce bonus. Donc, il est possible que lorsque le premier rapport de commission est publié sur Internet, dans votre rapport de commission, votre bonus good n'apparaisse pas. Mais il ne faut pas vous inquiéter, il sera payé lors du versement des commissions le 15 juin sur votre compte Paylution ou Payoneer, suivant ce que vous avez choisi. Donc, c'est normal si votre bonus good n'apparaît pas immédiatement, mais il est payé avec toutes les autres commissions au moment du versement le 15 du mois. Donc, il n'y a plus besoin de fournir de formulaire, donc c'est bien, ça nous fait des papiers en moins. Autre point important, alors là je vais demander vraiment votre attention complète parce que je pense que tout le monde utilise Facebook ou presque. Et ça c'est vraiment très très important de se caler là-dessus pour éviter tout problème et toute discussion sur le sujet. Ce sont les photos avant-après sur Facebook. Vous savez qu'une méthode de marketing très efficace sur les réseaux sociaux et sur Internet, c'est de partager les photos avant et après que vous prenez de vos clients qui essayent le wrap. Ça vous permet d'indiquer, bon ben voilà, elle a encore eu des résultats, elle a encore eu des résultats, elle a encore eu des résultats. Et à force que vos amis et vos contacts voient ces informations, ils vont se dire, mais moi aussi je veux avoir des résultats, moi aussi je veux essayer le wrap. Donc une méthode pardon, très efficace pour avoir des contacts sur Facebook qui veulent essayer le wrap et qui même veulent devenir distributeurs, c'est de partager les photos avant-après que vous prenez lors de vos wrap parties quand vous faites essayer le wrap à des clients. Alors, depuis quelque temps, Etworks demande à ce que vous ayez l'autorisation écrite d'utilisation et de partage de ces photos. Parce que vous preniez des photos avec votre iPhone ou avec votre téléphone portable, c'est une chose, mais que vous les partagez sur Facebook, même si la personne n'apparaît pas complètement dans la photo, c'en est une autre. Et il est tout à fait possible que la personne ne souhaite pas que ses photos se retrouvent sur Facebook, même si on ne voit pas son visage. Donc, je vous ai mis ici l'extrait, donc le petit texte déjà, qu'il faut normalement faire remplir à la personne pour qu'on ait le droit d'utiliser ses photos. Alors, je l'ai pas traduit en français, tout simplement parce que si Etworks vous demande de le fournir, il vous demanderait de le fournir en anglais. Donc, surtout, assurez-vous que la personne est bien d'accord pour que vous utilisiez ces photos, que vous les rendiez publiques, que vous les publiez sur les réseaux sociaux, et aussi qu'elle ait conscience que ces photos peuvent être repartagées par d'autres personnes, et que donc ça peut se retrouver un petit peu partout, et qu'il peut y avoir un effet viral, d'accord? Et que son ventre ou ses fesses puissent se retrouver un petit peu partout. Donc, il faudrait obtenir une autorisation écrite et signée de chaque personne pour qui vous envisagez de partager les photos. L'autre chose, entre les photos avant-après, il faut absolument qu'il y ait indiqué le temps entre la pose des deux wraps. Donc, il faut que vous mettiez après un wrap, après 45 minutes, après deux wraps, après quatre wraps. Voilà, il faut que vous indiquiez le nombre de wraps utilisés et le temps de pose entre les deux wraps.
Donc en général, c'est 45 minutes, mais il y a des gens qui les laissent 2 heures, 3 heures, 4 heures. Donc il faut le mettre, c'est important, et mettre le nombre de wraps utilisés. En dessous des photos, il faut aussi inclure cette déclaration. Donc vous pouvez faire du copier-coller avec un logiciel de photo classique, hein, pas besoin de faire quelque chose de compliqué. Et il faut que vous ajoutiez ce texte-là. Alors, je vais vous montrer un exemple, il n'a pas besoin d'être si gros, hein, il peut être écrit en tout petit. Alors déjà, je vais vous montrer où vous pouvez récupérer ces différents textes. Donc en fait, on les a reçus dans la newsletter de HitWorks, la dernière newsletter que HitWorks a envoyée. On a reçu ces textes. Donc c'est dans la newsletter, vous cherchez le mot compliance. Vous voyez, je vous ai fait une capture d'écran pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Donc il faut que vous cherchiez le petit texte que vous pouvez utiliser pour demander l'autorisation et le petit texte surtout qui doit apparaître en dessous des photos avant-après, qui est une sorte de décharge par rapport au témoignage. Alors voilà ce que ça peut donner. Donc là, ce sont les photos officielles. Donc, HitWorks a ajouté son logo, mais vous pouvez très bien mettre vos photos avant-après l'une à côté de l'autre, en mettant bien avant et après un wrap. Et en dessous, vous voyez en blanc ici, il est indiqué en blanc. Donc, le texte qui dit, en gros, les résultats individuels peuvent et varieront. Ces témoignages ne sont pas nécessairement représentatifs de ce qu'obtiennent les autres personnes en utilisant nos produits. Tous les participants qui donnent des témoignages ont utilisé un de ces produits, donc de la gamme FitWorks, donc soit l'ultime applicateur corporel, les compléments alimentaires, l'activité physique et une alimentation raisonnable. Ces témoignages ne sont pas dans le but de faire des promesses par rapport à ces produits, par rapport au diagnostic, au traitement, à la guérison ou à la prévention de n'importe quelle maladie. Et ces déclarations n'ont pas été cliniquement approuvées ou évaluées par la FDA, qui est l'organisme aux États-Unis qui s'occupe de l'approbation des médicaments, notamment. Donc, on dit bien que ce ne sont pas des médicaments. Donc, vous pouvez aussi, si vous voulez éviter tout problème et ne pas être embêté, soumettre vos photos à cette adresse email socialmedia@itwarsglobal.com. Donc, vous pouvez soumettre les photos avant-après. Et donc, il faut mettre les photos originales, bien sûr, qui n'ont pas été remodifiées. Le temps entre les photos ou le nombre de wraps utilisés entre les photos, les produits utilisés, donc nous, ça sera essentiellement des wraps, éventuellement du gel définissant ou d'autres crèmes, hein. Et on n'a pas les compléments alimentaires en France. Au Canada, peut-être que vous utilisez les shakes dans certaines situations. Et une ligne dans l'email qui dit ce qui est écrit là en anglais, comme quoi vous donnez, donc la personne donne la permission complète à HitWorks d'utiliser son histoire et ses photos dans un but marketing. Et les photos doivent être envoyées par la personne qui est sur la photo. Donc si vous êtes distributeur, ça peut être votre corps, mais si ce sont les photos d'un de vos clients, c'est au client d'envoyer les photos à socialmedia@itworksglobal.com. Il y en a déjà beaucoup qui sont disponibles dans votre e-suite dans la section documents. Et j'espère qu'il y en aura de plus en plus parce que j'espère que beaucoup de personnes soumettront leurs photos à socialmedia@itworksglobal.com. Voilà. Donc c'était un bref récap par rapport aux photos qui sont toujours d'actualité, qui fonctionnent très bien, que je vous recommande de partager. Mais voilà, il faut le faire correctement pour éviter tout problème avec des autorités, avec des clients qui auraient peut-être pas voulu que vous partagiez leurs photos, etc. On va passer à la partie formation. Donc c'est une des parties que je préfère. Et aujourd'hui, on va parler en particulier de la façon d'être méthodique dans votre approche et de systématiser. Vous savez que pour réussir, des fois on réussit par hasard, mais c'est très rare. Je ne sais pas si c'est arrivé à beaucoup de personnes. Mais la plupart des gens qui réussissent, c'est parce qu'elles essayent. Elles font des choses et puis elles se rendent compte que elles tombent pas exactement sur le résultat qu'elles voulaient. Donc elles modifient leur approche et elles réessayent et petit à petit elles vont s'approcher de plus en plus de leur objectif jusqu'à le toucher, jusqu'à remplir leur objectif. Donc il y a un côté méthodique dans cette approche. J'essaye, je regarde si ça marche, si ça ne marche pas, je change ma façon de faire et je réessaye et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. D'accord? Ça, c'est la formule du succès. Toutes les personnes qui réussissent font ça. Donc, quand vous parrainez un nouveau distributeur, par exemple, il y a une certaine approche, une certaine méthode que vous utilisez et qui marche ou marche moins bien. Et l'avantage quand on suit une méthode, c'est qu'on peut la changer. On peut dire, OK, j'ai fait ça, puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ça, et puis j'ai obtenu ça.
Bon, c'est pas tout à fait ce que je voulais. Donc, est-ce que si je fais ça plutôt que ça et que je laisse le reste comme je faisais avant, est-ce que peut-être ça va marcher mieux? Alors, je vais vous donner une méthode qui va vous permettre d'aller du premier contact jusqu'à, on va dire, que la personne passe rubis. Et après, les choses ont tendance à s'enchaîner. Donc, on va voir ensemble tous les points. Du moment où vous avez un premier contact avec quelqu'un qui vous dit qu'il est intéressé par l'activité, jusqu'au moment où il va passer rubis. Donc, je vais sauter certaines étapes, notamment blitzer, parce que j'en ai déjà beaucoup parlé en formation, mais je vais y revenir dans la formation de ce nouveau distributeur. Donc, vous voyez que finalement, je vais parler d'un petit peu tous les aspects qui permettent de réussir avec Itworks. Alors, je vais vous dire un petit peu comment moi je procède quand j'ai une personne qui est intéressée par l'activité. Et ce que je vous recommande de faire, parce que j'en ai parlé avec plusieurs de mes leaders, et c'est également ce qu'ils font. Et ça marche plutôt bien. Alors, on va imaginer que vous avez quelqu'un qui est intéressé par l'activité. Donc, par exemple, parce que vous avez fait une wrap party. D'accord? Ou peut-être que vous l'avez wrappé, il s'est dit, mais moi, ça m'intéresserait de vendre les wraps aussi, comment je peux faire? Ou peut-être que vous avez mis des messages sur votre profil Facebook et que vous avez des personnes qui vous demandent mais comment ça marche cette activité, ça m'intéresserait bien, comment on fait, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir, est-ce que tu peux m'expliquer? Donc quand vous avez quelqu'un qui vous demande de l'information, qui vous demande comment on devient distributeur, normalement la première chose c'est que vous allez lui faire une présentation. Ou alors, en vrai partie, vous lui avez peut-être déjà fait la présentation avec le Partipad. Donc, vous allez lui faire une présentation. Donc, pour faire une présentation, il y a plusieurs solutions. La première, c'est que vous faites la présentation. Donc, vous êtes avec lui et vous lui faites une présentation individuellement. Ou vous le faites en vrai partie avec le Partipad. D'accord? Donc, à l'issue de la vrai partie, peut-être que la personne est déjà prête à démarrer. D'accord? Mais peut-être pas. Sinon, pour faire une présentation, vous avez les présentations en ligne. Donc, vous avez notamment la présentation du jeudi soir à 21h que nous faisons, qui vous permet d'inviter votre contact pour qu'il ait des informations sans que ça soit à vous de faire la présentation. L'avantage, c'est que ça tourne tout seul, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez donné le lien et le mot de passe, la personne, elle va aller à la présentation et vous pouvez être en train de bercer votre bébé qui est en train de s'endormir. On s'en fiche. Ça vous libère du temps. Ça vous libère du temps plutôt que de faire vous la présentation, vous pouvez utiliser des effets de levier. Vous avez aussi des vidéos sur YouTube qui sont des présentations de l'activité que vous pouvez envoyer et qui vont vous permettre de vous libérer du temps. Et puis, on a des personnes qui voient le Partipad en vrai partie, sont intéressées, mais ont besoin qu'on leur réexplique. Bien, envoyez-leur une vidéo de présentation de Itworks. Ça vous évitera de le refaire. Ça crée vraiment un effet de levier sur votre temps. Parce que faire une présentation, c'est rigolo au début, mais quand vous allez avoir beaucoup de contacts et beaucoup de personnes qui vont être intéressées, vous n'allez pas pouvoir faire des présentations à tout le monde. Donc l'idéal, c'est d'envoyer des informations. Ou alors de regrouper ces personnes et de faire 5, 6, 7 présentations lors d'une vraie partie. Et là, c'est beaucoup plus rentable, c'est beaucoup plus productif, vous êtes plus performant. Après une présentation, certaines personnes ont des questions, c'est très souvent le cas d'ailleurs, beaucoup de gens ont des questions. Donc encore une fois, là vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez répondre vous-même, donc vous répondez aux questions une à une. Vous pouvez envoyer des choses à lire ou à écouter, donc ça peut être des formations ou ça peut être des documents, certains PDF. Oui mais je ne comprends pas comment ça marche, etc. Vous pouvez envoyer des PDF. Vous pouvez faire les vôtres aussi, hein. Vous pouvez enregistrer vos propres vidéos si vous voulez. Si vous remarquez qu'il y a une question qui revient tout le temps et qu'on n'a encore pas créé la documentation qui serait à même de répondre à cette question, vous pouvez très bien le créer. C'est tout à fait possible. Donc vous pouvez envoyer des choses à lire ou à écouter. Et puis, suivant si c'est technique ou émotionnel, parce que les questions sont parfois techniques, je veux savoir comment on fait. Je veux comprendre comment un client, s'il va devenir client fidélisé, comment Itworks va savoir que c'est mon client. Donc là, c'est une question technique. Vous allez lui expliquer que vous avez un site dupliqué qui est le même pour tout le monde, qui est une sorte de boutique en ligne où votre client va aller dessus, mais comme c'est un lien personnel, Itworks sait que c'est votre client. Ou vous avez un identifiant qui vous permet de vous identifier spécifiquement. Donc ça, vous pouvez l'expliquer.
Après, il y a des choses plus émotionnelles. Oui, mais j'ai peur, je prends un risque, je ne suis pas sûre. Et ma compagne, comment je vais lui expliquer? Ou mon compagnon, comment je vais lui expliquer? Il est peut-être récalcitrant. Comment je vais m'y prendre? C'est plus des questions émotionnelles. Donc là, vous pouvez faire un appel à trois avec votre sponsor ou quelqu'un de votre upline. Donc peut-être votre leader diamant ou peut-être émeraude ou rubis, ça peut très bien convenir, ça dépend. Vous allez faire un appel à trois avec votre sponsor ou quelqu'un de votre plein. Alors, pour faire des appels à trois, il y a des choses très simples. Il y a certains téléphones qui permettent d'ajouter plusieurs correspondants. Donc, notamment si vous avez des lignes professionnelles. Après, un moyen aussi simple et gratuit, c'est d'utiliser Skype. Quand vous téléchargez Skype sur votre ordinateur et quand votre prospect a Skype et que votre sponsor a Skype, vous pouvez tous vous regrouper sur Skype et c'est gratuit. Vous pouvez aussi acheter des crédits pour appeler votre client sur son téléphone fixe et votre sponsor sur son Skype depuis votre Skype, par exemple, si vous remarquez que beaucoup de vos prospects n'ont pas d'ordinateur ou c'est compliqué ou ils ne savent pas s'en servir, vous pouvez très bien les appeler sur leur ligne fixe. Et dans ce cas-là, je crois qu'un abonnement Internet Skype pour appeler sur des lignes fixes en France, ça doit coûter 10 euros par mois, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment pas onéreux du tout. Donc, faites des appels à trois avec votre sponsor ou quelqu'un de votre upline pour répondre aux questions, surtout quand elles sont émotionnelles, quand c'est basé sur des peurs, sur des incertitudes, sur un besoin d'enthousiasme, un besoin de création de la vision. Là, faites appel à votre sponsor, c'est quelqu'un d'expérimenté qui saura vraiment emballer votre prospect et quand je dis emballer, c'est-à-dire qu'ils se sentent emballés par l'activité, qu'ils se sentent capables de la faire, qu'ils se sentent capables de réussir et qu'il va lui donner des pistes et des éléments qui sont propres à sa psychologie, à sa façon de réfléchir et à ses besoins. Donc ça, c'est important. Et quand on démarre, c'est pas du tout évident de le faire. Donc c'est pour ça que c'est important de faire appel à votre sponsor à ce moment-là. Donc la première étape, c'était de faire une présentation. La deuxième, de répondre aux questions. Car des questions, il y en a quasiment tout le temps. Ensuite, vous allez démarrer la personne, c'est-à-dire qu'elle va aller s'inscrire sur le site de HitWorks. Une fois qu'elle dit « oui, je veux démarrer », c'est bon, je veux démarrer maintenant. Donc, dans les réponses aux questions, vous aurez vu aussi les options de démarrage. Donc, vous aurez vu qu'il y a un Business Builder Kit à 120 euros, qu'après, il y a le choix entre le mini booster ou le booster, et l'intérêt de l'un et de l'autre des packs, les bénéfices qu'ils vont en retirer. Donc, ça, c'est dans la partie réponse aux questions. Quand vous allez démarrer la personne, vous avez plusieurs options. Soit vous lui expliquez comment ça fonctionne et elle va le faire toute seule, en suivant par exemple un petit PDF qui va la guider. Donc vous pouvez très bien en faire un avec des captures d'écran. Vous pouvez récupérer certaines captures d'écran qui sont sur le PDF « Comment inscrire un distributeur ». Donc vous allez lui expliquer qu'il faut bien qu'elle prenne le bon kit qui correspond à ce qu'elle veut acheter pour démarrer. Vous allez lui parler de l'e-suite à 20 dollars. Vous allez lui parler de l'autoship. Et vous allez lui parler qu'il lui faut sa carte d'identité et qu'on peut payer uniquement par carte bancaire internationale. En gros, c'est ça. Hein, quand on regarde les différents points, le premier point, c'est quel pack on va prendre, quel pack la personne va prendre. Ensuite, l'e-suite à 20 dollars, lui expliquer à quoi ça sert, pourquoi il faut qu'elle le prenne, que le premier mois, c'est gratuit, qu'ensuite, ça fait 20 dollars par mois, qu'elle en a besoin pour inscrire des clients fidélisés ou des distributeurs. Donc ça, vous allez lui expliquer. Ensuite, donc, il y a l'autoship. Ensuite, après l'autoship, il faut remplir toutes ses coordonnées, donc elle aura besoin de sa carte d'identité et d'une carte bancaire qui permet de faire des paiements à l'international en dollars, donc une Visa ou une Mastercard, mais il faut bien lui expliquer que les électrons, par exemple, ça ne fonctionne pas. Donc à partir de là, si vous avez déjà expliqué tout ça, vous pouvez la laisser faire et suivre un PDF. Ou d'autres personnes préfèrent faire un partage d'écran sur Skype, ce qui est aussi une possibilité. Si vous préférez, pour une question de sécurité, de sûreté, être sûr que la personne ne se trompe pas, que vous soyez avec, que le démarrage se passe bien, etc. Vous installez encore une fois Skype, vous demandez à votre prospect qu'il installe Skype, ça fait partie de la duplication, le fait de lui faire installer Skype, ça veut dire qu'il l'aura, qu'il saura s'en servir. Et vous lui demandez, voilà, on se donne rendez-vous à telle heure, tel jour, et on fait un partage d'écran, tu me montres ton écran, comme ça je peux suivre ton démarrage et te dire qu'est-ce qu'il faut mettre dans quelle case. Et vous, en tant que distributeur, vous suivez le PDF « Comment inscrire un nouveau distributeur », tout simplement. Donc ça, c'est l'étape « Démarrer la personne ». Vous voyez que c'est très systématique, hein. C'est vraiment point par point, quoi. Enfin, personnellement, il n'y a rien d'hasardeux là-dedans, c'est exactement ce que je fais à chaque fois. Ensuite, vous allez, une fois qu'elle a démarré, donc elle va obtenir son identifiant,
vous allez l'ajouter au groupe Facebook. Donc, première chose à faire, une fois que la personne a démarré, c'est tout de suite aller l'ajouter au groupe Facebook. Si elle n'a pas de compte Facebook, dites-lui d'en créer un, où elle est anonyme, elle ne met pas de photos ni rien. Mais demandez-lui de créer un compte Facebook et de vous dire comment elle s'appelle sur Facebook pour que vous puissiez l'ajouter dans le groupe Facebook. Et immédiatement, dès qu'elle est ajoutée dans le groupe Facebook, dès qu'elle a été validée par l'administrateur, donc lors d'un deuxième rendez-vous, vous allez lui montrer comment accéder aux fichiers qui permettent de faire tout ce qu'on veut dans l'e-suite qui est en anglais. Donc ça, c'est très important. Il faut que vous lui montriez où sont les fichiers dans le groupe. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui savent où est le groupe, qui savent aller sur le groupe, qui savent lire les messages du groupe, mais qui ne savent pas où aller pour trouver les fichiers. Donc, il faut bien lui montrer l'onglet « Fichiers ». Pour les personnes qui n'utilisent pas Facebook régulièrement ou qui l'utilisent pour une de leurs premières fois, montrez-leur bien où ils vont retrouver le groupe Facebook dans la liste de leur groupe. Parce que quand on ne sait pas, on ne sait pas. Il y a des boutons partout sur Facebook, il y a des liens partout, on peut cliquer sur un milliard de trucs. Donc montrez-lui bien où se trouve le groupe Facebook et qu'elle clique dessus et qu'elle aille dessus régulièrement. Et surtout, ça va lui permettre de se former aux actions de base. Alors, ce que j'entends par action de base, c'est passer une commande, éditer un autoship pour en changer les produits ou la date, envoyer un ticket, inscrire un client fidélisé, inscrire un distributeur. Le truc, c'est que il faut savoir comment faire, mais pas vraiment. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de télécharger les PDF et de les lire. C'est une complète perte de temps. Donc, ne demandez pas à vos distributeurs, vos nouveaux distributeurs, d'aller télécharger les PDF et de prendre le temps de les lire et de regarder sur le site comment on fait. C'est vraiment une perte de temps. Par contre, ce qui est important, c'est qu'ils sachent qu'il y a un PDF pour chacune de ces actions-là. Et que le jour où ils ont besoin de passer une commande, d'éditer leur autoship, d'envoyer un ticket, d'inscrire un client fidélisé ou d'inscrire un distributeur, il faut qu'ils se réfèrent au PDF, qu'ils l'impriment et qu'ils le suivent à la lettre. Donc, si vous voulez, ils sauront comment faire ces actions de base indirectement, puisqu'ils sauront où se trouvent les PDF, qu'ils sauront qu'est-ce qu'il faut qu'ils en fassent et comment s'en servir. Mais je ne vous demande pas de montrer tout ça vous-même en partage d'écran ou de faire suivre à tous vos nouveaux distributeurs toutes ces étapes-là et de passer, je ne sais pas moi, 2 heures sur l'e-suite de HitWorks pour faire toutes ces étapes. C'est complètement une perte de temps. Par contre, il faut quand même savoir où se trouvent les ressources. Comme ça, quand vous direz à votre distributeur qui peut, par exemple, avoir un problème pour recevoir son colis, voilà, je vais prendre l'exemple typique, la personne, voilà, ça fait 4 jours qu'elle a démarré et elle a pas reçu son colis encore, ce qui est quand même relativement normal. Et vous lui dites, voilà, va voir ton numéro de suivi de ta commande. Donc, vous lui expliquez comment aller voir ses commandes. Puis là, elle vous dit, je n'ai pas de numéro de suivi dans ma commande. Là, vous allez lui dire, mais il faut que tu envoies un ticket à HitWorks. Donc, à ce moment-là, si vous avez déjà vu les infos de base, elle saura comment faire, retrouve le PDF et suit exactement ce qui est écrit dedans et ça va fonctionner. Et vous pouvez les envoyer en français, ces tickets. Donc, ça fonctionne très bien. Donc, le former aux actions de base, mais sans y passer non plus des heures. Voilà, c'est en gros ce que je veux vous dire. Commander des blitz et prospecter, ça c'est l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de trouver des personnes qui vont vouloir essayer le wrap. D'accord ? Quand la personne a démarré, elle s'est inscrite. Dans quelques jours, elle va recevoir ses produits. Vous l'avez ajoutée au groupe Facebook. Elle sait faire les actions de base. Donc, l'étape suivante, c'est de commander des blitz et de commencer à prospecter pour trouver des personnes qui veulent essayer les wraps. Donc, bien que la personne sache de ce que vous entendez par blitz, savoir où elle peut les récupérer et savoir comment elle peut faire pour les imprimer. Et là, je vous encourage à insister sur le fait de les commander à un imprimeur. Si la personne veut les imprimer avec son imprimante, elle va perdre un temps fou, les cartouches d'encre. Enfin, à chaque fois que je vais essayer d'imprimer un document, ça bloque, il n'y a plus de papier, il n'y a plus d'encre rouge. Enfin, c'est toujours le bazar. Donc, le moyen le plus simple, le plus productif, le plus performant, le plus rapide pour ne pas perdre de temps, c'est de commander les blitz à Vistaprint ou un autre imprimeur que vous connaissez avec des tarifs que vous trouvez intéressants. Voilà. Mais dites-lui de commander des blitz, de les commander, pas de les imprimer chez elle, parce que ça va lui faire perdre un temps fou, et de commencer à prospecter dès qu'elle a les blitz. Dites-lui aussi qu'il y a des photos avant-après qu'elle peut utiliser, qui sont mises à disposition par HitWorks, et qu'elle va pouvoir partager sur Facebook, si elle a un compte Facebook avec beaucoup d'amis. Donc, en gros, ce que je veux vous dire, c'est que, une fois que vous avez fait la présentation, que vous avez répondu aux questions ou que vous avez fait répondre aux questions par votre sponsor ou un outil, vous avez démarré la personne,
vous l'avez ajouté au groupe Facebook et que vous l'avez formé aux actions de base, sachant que le démarrage, l'ajout au groupe Facebook et la formation aux actions de base, ça devrait prendre à peu près une demi-heure. D'accord? Il n'y a pas de raison que ça dure plus longtemps que ça. Ensuite, vraiment le point très important pour démarrer rapidement, c'est que la personne commande des blitz et commence à prospecter. Et qu'elle planifie sa première vraie partie. Donc moi, je vous conseille de faire ça dans les 24 heures qui suivent l'inscription. Dans les 24 heures, il faut que votre distributeur il ait commandé ses blitz et qu'il ait planifié sa première vraie partie. Donc vraiment un passage à l'action immédiat. C'est très important de passer à l'action immédiatement. Et vous savez, il y a beaucoup de leaders qui disent que tout ce qui n'est pas planifié ne sera pas fait. Tout ce qui est planifié doit être fait. Donc c'est important de planifier la première vraie partie dans une semaine, 10 jours à peu près, pour lui laisser le temps de recevoir ses wraps. Donc il y a vraiment trois parties. Il y a faire la présentation, répondre aux questions. Après, il s'enchaîne parfois immédiatement le démarrage de la personne. Je vous conseille quand même de faire une pause. Si ça peut être, des fois, ça peut être long, hein, entre la présentation, la réponse aux questions. Alors, des fois, il y a la présentation qui est faite sur Internet. Là, il y a une pause. Il y a peut-être une journée qui s'écoule ou quelques heures. Vous répondez aux questions et vous démarrez la personne. Donc là, ça va. Mais si vous essayez de faire ces trois actions d'un coup, ça va faire beaucoup pour vous et pour votre prospect. Ensuite, au démarrage de la personne, tout de suite, vous l'ajoutez sur le groupe Facebook et vous la formez aux actions de base. Et vous enchaînez. Commandez des blitz et prospectez. Planifiez la première vraie partie. Donc, comme je dis aussi, on attend une semaine, 10 jours parce qu'il faut le temps que la personne ait le temps d'inviter des personnes qui veulent essayer le wrap. Hein, c'est logique. Je suis aussi pour de planifier non seulement la première vraie partie, mais aussi les vraies parties suivantes. Et notamment la deuxième. C'est-à-dire qu'avant que la première vraie partie ait lieu, commencez à planifier la deuxième, parce qu'à la première vraie partie, vous allez pouvoir promotionner la vraie partie suivante. Donc ça aussi, c'est important. Une fois que vous avez fait ça, vous voyez, étape par étape, l'étape suivante, ça va être d'introduire votre nouveau distributeur au système de la structure et des étapes du succès. Donc, s'il commande des blitz et qu'il planifie sa première vraie partie, c'est pour trouver ses 4 clients fidélisés dans son premier mois. Ça, c'est sûr. Et on va dire qu'un mois, c'est le plus long qu'il se donne. Essayez de le faire en 15 jours. Normalement, si la personne démarre et qu'elle planifie sa première vraie partie dans les 7 à 10 jours, elle peut trouver ses 4 clients fidélisés dans les 15 premiers jours. Et ça lui donne de l'avance pour pouvoir aller jusqu'au fait de trouver 3 personnes qui vont trouver 4 clients fidélisés pour la garantie de 500 $. Parce que ce qu'on veut viser, c'est la garantie de 500 $ ultimement. Et je pense que c'est important de faire ces 4 clients fidélisés le plus rapidement possible. Et dans les 15 jours, c'est largement faisable si on enchaîne bien les actions. Donc, introduisez-la aux étapes du succès et introduisez-la à la structure. Alors, les étapes du succès, c'est quelque chose qui a souvent été déjà vu en présentation. Donc, ça ne sera pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui doit juste être rappelé. Il faut qu'ils aient en tête que c'est leur objectif, étape 2, trouver 4 clients fidélisés, étape 3, trouver 3 personnes qui vont trouver 4 clients fidélisés. Donc vraiment, suivre ces étapes du succès et fixer des dates. Fixer des dates, fixer des objectifs à 15 jours, à 1 mois, à 2 mois, pour remplir, pour compléter ces étapes du succès. Et commencer à les introduire à la structure. Alors, pas forcément immédiatement. Mais disons que c'est bien de le faire avant la première vraie partie. C'est bien de le faire avant la première vraie partie. Donc, laissez du temps à votre distributeur pour se retourner, pour commander ses blitz, pour commencer à prospecter, peut-être pour répondre à certaines questions qu'il peut avoir lorsqu'il prospecte, hein, de ses futurs clients. Et puis, avant la première vraie partie, vous aurez vu ensemble comment on fait une présentation du PartyPad, où vous lui aurez donné une vidéo qui explique. Qui fait la présentation du PartyPad, il y en a plusieurs que j'avais déjà faites, et vous allez l'introduire à la structure. C'est-à-dire que vous allez lui dire, OK, tu vois, pour être exécutive, il faut que tu aies inscrit 2 personnes qui ont chacune 400 points, ou qui ont dans leur branche 400 points, c'est ça la structure. Et puis, si tu veux passer Ruby, il faudra que tu aies 2 personnes comme ça, et à côté que tu aies un exécutif, et ainsi de suite. Et lui montrer comment fonctionne cette histoire d'embriquement. Pour créer une structure exécutive, rubis, émeraude, diamant, etc. Et là, à ce moment-là,
quand vous allez lui expliquer que par exemple un pack booster représente 400 points, que quand une personne démarre et qu'elle prend le pack booster, ça représente une branche qualifiée qui vous met une brique déjà dans votre structure, dans votre organisation. À ce moment-là, quand vous allez l'introduire à la structure et que vous allez lui expliquer en gros comment ça fonctionne, vous allez pouvoir fixer des objectifs à 2 mois, à 3 mois, à 4 mois, à 6 mois, à 1 an. Et je vous recommande d'aller presque de mois en mois jusqu'à 6 mois, puis tous les 2 mois et tous les ans. Parce que déjà, il y a l'idée de remplir les étapes du succès, mais si on veut être diamant dans les 3 mois, il faut plus que remplir les étapes du succès dans les 2 premiers mois. Donc, au bout de 2 mois, il faut avoir trouvé plus de 3 personnes qui ont trouvé leurs 4 clients fidélisés. Parce que ça va créer un rubis. Mais si à la fin de votre 2e mois d'activité, vous êtes rubis, ça va être difficile de passer de diamant votre 3e mois. Il y en a qui l'ont fait, c'est faisable, mais ça reste relativement rare finalement. Donc c'est important, dans la planification des objectifs, de le faire connaître à votre distributeur, de dire « Ok, tu as objectif d'être diamant dans les 3 mois, mais dans ce cas-là, au bout de 2 mois, il faut que tu aies fait plus que remplir les étapes du succès. Il faut déjà que tu aies une structure qui soit proche de l'émeraude au moins. Même s'il n'est pas émeraude son 2e mois, en tout cas, il faut qu'il en soit très proche pour que le fait d'aller jusqu'au diamant, ça ne soit pas un grand fossé à enjamber et à se casser la figure. Donc, c'est vraiment dans le démarrage qu'il y a beaucoup de choses à voir. Mais en même temps, encore une fois, je vous encourage à vous appuyer sur des formations qui ont été enregistrées auparavant et qui vont jouer un énorme rôle d'effet de levier, qui, du coup, vont vous permettre de guider vos distributeurs, de les accompagner dans leur démarrage, sans forcément que ça vous prenne un temps phénoménal. C'est sûr que si vous aviez à faire toutes ces étapes vous-même, ça vous prendrait beaucoup de temps. Mais en utilisant les formations, les vidéos et d'autres documents comme effet de levier que vous pouvez faire circuler, là, vous êtes dans de la duplication. Là, vous êtes dans le fait de vous retirer, que vous ne soyez pas indispensable. Donc, vous allez jouer le rôle de guide, vous allez jouer le rôle de leader, vous allez jouer le rôle de pointeur, d'aiguilleur du ciel, mais ce n'est pas vous qui êtes le message. Vous n'êtes pas le message, vous êtes le messager. Ça, c'est très important si vous voulez connaître l'indépendance financière. Si vous voulez connaître l'indépendance financière, si vous voulez connaître la liberté financière, si vous voulez toucher un revenu résiduel qui arrivera sur votre compte en banque, que vous soyez là ou pas là, que vous soyez présent ou absent, que vous soyez en pleine santé ou malade, que vous soyez à l'autre bout du monde ou en France, si vous voulez toucher un revenu résiduel qui soit constant, croissant, régulier, satisfaisant, c'est très important que dès le départ, vous donniez un maximum de responsabilité aux personnes que vous inscrivez, que vous leur donniez un maximum d'autonomie, tout en étant là pour elles. Tout en étant là pour elles. Donc c'est très important parmi tous les documents, tous les PDF, toutes les vidéos, que vous aiguillez les gens vers la bonne ressource, que vous les orientiez vers la bonne ressource qui va répondre à leurs questions. Parce que on peut perdre beaucoup de temps quand on est un nouveau distributeur à parcourir et à écouter toutes les vidéos, tous les PDF, toute la documentation. Et si on passe du temps à faire tout ça, on n'est pas dans l'action. Donc votre rôle, c'est juste de fournir ce qui est nécessaire pour une action massive. Et la semaine dernière, j'avais parlé d'action massive. Et c'est important que vos nouveaux distributeurs, vous les fassiez passer en action massive très rapidement, très 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 rapidement après leur démarrage. Vous savez, on parle de lune de miel. Quand quelqu'un démarre en marketing de réseau, on dit qu'il est dans sa période de lune de miel. C'est comme s'il venait de se marier et que tout était beau et fantastique. Il est très enthousiaste en général et c'est une émotion, l'enthousiasme, qui va lui permettre de créer l'engouement chez les autres, chez les personnes qu'il côtoie. Et donc, c'est très important que vous utilisiez cet enthousiasme comme effet de levier. Que vous soyez nouveau distributeur, que vous vous rendiez compte que « Waouh, je suis super enthousiaste et je vais m'en servir comme effet de levier pour lancer mon réseau, lancer mon activité. » Donc, il faut que je sois en action très rapidement. Si je passe énormément de temps à lire la documentation, je ne vais pas me servir de cet enthousiasme pour les bonnes actions qui créent du résultat. Or, l'enthousiasme crée du résultat.
Si je vous ai parlé de l'événement Une équipe, une mission, c'est aussi parce que vous allez vivre un moment extraordinaire qui va vous donner une forte émotion, beaucoup d'enthousiasme. Et quand vous allez ramener ça dans votre réseau, avec vos contacts, et quand vous allez leur parler du VRAP, cet enthousiasme, ça va leur donner envie. Ils vont avoir envie de l'essayer, ils vont avoir envie de voir les résultats. Donc l'enthousiasme est une émotion très importante dans le marketing de réseau parce que en tant que leader, vous avez comme rôle d'entraîner les autres dans votre marche. En tant que leader, vous avez comme rôle d'entraîner les autres dans votre marche, dans votre sillon, dans vos pas. Et donc pour ça, il faut que vous soyez en action rapidement. Donc vous voyez que si c'est aussi méthodique, cette entrée en matière, cette inscription, ce démarrage, c'est parce que c'est nécessaire pour utiliser l'enthousiasme comme effet de levier et que les gens lancent leur activité rapidement. Et le fait d'avoir ses premiers clients fidélisés, ses premiers distributeurs rapidement, fait que l'enthousiasme grandit, fait qu'on est de plus en plus enthousiaste, fait qu'on est de plus en plus satisfait, fait qu'on est de plus en plus content, fait qu'on a de plus en plus envie d'avancer, fait qu'on voit des résultats, qu'on gagne de l'argent, qu'on a des gens qui nous suivent. Donc ça, c'est extrêmement satisfaisant. Et alors qu'au contraire, si on est enthousiaste mais qu'on ne passe pas à l'action, qu'est-ce qui va se passer avec l'enthousiasme? L'enthousiasme va retomber. Parce que si vous n'êtes pas dans l'action, vous n'aurez pas de résultat. Donc vous n'aurez pas de distributeur, vous n'aurez pas de client fidélisé. Et votre enthousiasme, boum, 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 petit à petit, va se casser la figure. Et vous allez être déçu. Vous allez être déçu de vous. Vous allez être insatisfait. Vous allez être frustré. Vous allez être inquiet. Et même si vous avez encore cette vision, vous allez avoir des émotions qui sont plus négatives. Et donc, ça va être d'autant plus difficile d'entraîner des gens avec vous parce que ça va se ressentir. Vous n'aurez pas du tout les mêmes ondes autour de vous, la même vibration. Et donc, les gens auront peut-être moins envie de vous suivre. Et ça, c'est par le manque d'action. Donc, vous voyez que l'action, quand on sait ce qu'on fait, bien sûr, est beaucoup plus positive et amène vers du mieux, vers du plus. C'est le cercle vertueux, l'action. L'action, c'est le cercle vertueux. L'inaction, c'est le cercle vicieux. L'action, c'est le cercle vertueux et l'inaction, c'est le cercle vicieux. Donc, vous voulez toujours être en action. Et quand on est en action, 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 quand on ne se pose pas là pour cogiter, laisser notre esprit nous emmêler dans tout un tas d'histoires qu'on se raconte à nous-mêmes, quand on est dans l'action, on n'a pas le temps de se raconter des histoires. Et donc, notre enthousiasme grandit. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de le faire grandir encore plus, et puis après d'améliorer nos compétences en communication, etc. Et vous voyez que c'est très systématique, c'est méthodique. C'est méthodique, mais c'est aussi très fun. Comme ça, vous savez ce que vous avez à faire, vous savez que ça fonctionne, vous gagnez du temps aussi. Ça veut dire que vous avez plus de temps pour votre famille, pour passer des bons moments, pour sortir, pour aller dîner, pour faire ce que vous avez envie de faire. Et ça, c'est important aussi pour moi que vous fassiez votre activité avec fun, avec enthousiasme, avec bonheur, avec épanouissement. Parce que c'est la recette du succès. Quand on aime ce qu'on fait, on n'a jamais envie d'arrêter de le faire. Quand on aime ce qu'on fait, on a juste envie de continuer. On a juste envie de le faire encore plus parce qu'on va être encore plus épanoui. Et pensez à fixer des objectifs qui sont courts, dès le départ. 15 jours, 1 mois, 2 mois. En général, les gens surestiment ce qu'ils vont réussir à accomplir dans une journée, mais sous-estiment ce qu'ils vont réussir à accomplir en un an. Les gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en une journée, mais ils sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en un an. En d'autres termes, quand les gens font une liste des choses qu'ils ont à faire aujourd'hui, ils font une liste gigantesque, et à la fin de la journée, ils vont se dire, mais je suis trop nul, j'en ai pas fait la moitié. Parce qu'il y a eu ceci, il y a eu cela, j'ai été interrompu. Donc on a tendance à surestimer ce qu'on va arriver à faire en une journée. Par contre, quand on fait la liste de ce qu'on veut accomplir en un an, et on met en général moins de choses, et on a tendance à sous-estimer ce qu'on va pouvoir faire en un an. Donc c'est important de fixer des objectifs plus courts sur une quinzaine de jours, 1 an, 2 mois, parce qu'en général, on va arriver à accomplir beaucoup plus de choses en 15 jours qu'en 2, 3 jours. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette formation. Il y a une dernière chose que je voulais vous dire ce soir. Je voulais vous parler de 2 livres. Les leaders lisent, les leaders lisent. Tous les leaders lisent beaucoup. Des livres, ils écoutent des audios,
des enregistrements audio, des MP3, ils regardent des vidéos de formation, de développement personnel. Les leaders aiment apprendre, les leaders se forment en permanence. Et HitWorks, il y a de très fortes chances qu'avec HitWorks, vous soyez sur le chemin du leadership, que vous soyez déjà peut-être rubis, émeraudes, diamants, que vous ayez des gens qui vous suivent, des gens dans votre réseau qui ont besoin de vous, qui ont besoin que vous les guidiez, que vous les orientiez. Et vous avez besoin d'assurance, vous avez besoin peut-être d'être encore plus en confiance, de savoir encore mieux ce que vous faites, de faire encore mieux ce que vous faites. Et il y a deux livres que je souhaite vous recommander. Le premier, c'est le livre de Tom Schreiter, il s'appelle aussi Bigal, qu'il a écrit il y a déjà un petit moment et qui s'appelle « Les secrets du parrainage ». Bigal dévoile les secrets du parrainage. Et c'est un manuel pratique de formation marketing de réseau qui est générique. Donc ça ne parle pas spécifiquement d'HitWorks, mais dedans est abordée la plupart des questions que quelqu'un se pose quand il démarre en marketing de réseau. Et vous allez voir que chaque étape, chaque méthode, chaque façon de faire est extrêmement bien expliquée. Et surtout, vous pouvez avoir une complète confiance dans ce livre et dans les enseignements de Tom Schreiter, puisque c'est un très grand réseauteur, peu connu en France, mais très connu dans les pays anglophones et en Russie aussi. Il fait beaucoup de workshops et de formations. Et c'est quelqu'un qui connaît très très bien le marketing de réseau et surtout qui a connu une très grande réussite en marketing de réseau dans deux réseaux différents et qui est devenu millionnaire grâce au marketing de réseau. Donc vous pouvez avoir une complète confiance dans sa formation. Il est reconnu dans le monde entier et à travers beaucoup de marketing de réseau différents pour ses compétences dans le marketing de réseau. Donc vraiment, je vous encourage à lire ce livre que vous pourrez retrouver sur Libre Entreprise et peut-être dans d'autres librairies, mais je sais que il n'est peut-être pas disponible sur Amazon ou c'est une autre version avec une autre couverture, mais en tout cas, c'est un livre qui en plus ne vaut vraiment pas cher du tout, qui est très bon marché et accessible à tous, que je vous encourage de lire et de faire passer dans vos réseaux. L'autre livre que je vous recommande, c'est Faites fonctionner le premier cercle, le fondement de la duplication en marketing de réseau. Ce livre va vous expliquer que tout commence par vous et il va aborder beaucoup de points, beaucoup d'aspects qui vont vous permettre déjà avec ces deux livres de passer diamant. Toutes les méthodes importantes sont expliquées dans ces deux livres. Alors ce deuxième livre, Faites fonctionner le premier cercle, il a été écrit par Randy Gage, qui est également un leader en marketing de réseau, qui développe son réseau actuellement dans une société de marketing de réseau et dont les conseils sont très intéressants. Alors, il y a juste un passage sur l'utilisation d'Internet qui est un petit peu vieille école, puisque lui est vraiment très axé sur les méthodes de prospection hors Internet. Or, vous voyez qu'HitWorks encourage beaucoup l'utilisation de Facebook et d'autres réseaux sociaux. Et moi-même, la plupart des personnes qui aujourd'hui sont dans mon réseau sont des personnes que j'ai trouvées qui sont sur Internet. Donc, je sais qu'Internet fonctionne. Donc, peut-être ignorer le demi-chapitre où elle dit qu'il ne faut pas utiliser Internet parce que aujourd'hui, je suis la preuve vivante que ça n'est pas vrai. Mais à part ça, c'est un très bon livre que je vous recommande vivement de lire. Donc, voici deux livres. Ajoutez-les avec votre bibliothèque. Ils sont très accessibles en prix et vous serez ravis de les avoir lus parce que à l'intérieur sont traités beaucoup de sujets qui vous feront gagner du temps. Par exemple, Bigal parle des petites annonces. Est-ce que c'est utile, intéressant? Est-ce que ça rapporte de mettre des petites annonces pour du travail à domicile? Ben, vous allez découvrir que non et il explique pourquoi. Donc vraiment, vous allez gagner énormément de temps et aussi vous allez éviter de faire certaines erreurs. Et on sait que les erreurs nous détournent de notre objectif, nous font aller vers d'autres horizons. Et puis quand on se rend compte que c'était une erreur, ben on a perdu du temps, on est allé dans un autre sens, c'est le temps de revenir sur la voie et même de retrouver la voie parfois, ben on perd du temps. Et je sais qu'aujourd'hui vous avez envie de réussir et que vous avez envie de réussir le plus rapidement possible. Donc investissez en vous, venez bien sûr aux formations que j'organise et puis lisez. Lisez parce que c'est là aussi que vous allez pouvoir ancrer certains enseignements et être encore plus plus performant et encore plus aider votre équipe aussi, encore plus aider les autres et le faire dans la bonne entente et la bonne humeur. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment une très bonne semaine, un très bon début de ce mois de juin. Je vous souhaite de vous épanouir encore plus dans votre activité, d'avoir beaucoup de bonheur, beaucoup de beaux événements,
de bons échanges avec vos contacts, votre équipe, votre sponsor, votre plane. Et j'espère vraiment vous voir à Londres samedi prochain. Donc surtout pensez à me prévenir par email à millelavoisier@gmail.com si vous venez à Londres pour qu'on soit sûr de s'y voir. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci de votre attention et à lundi prochain pour une autre formation. Demain soir, formation diamant. Et jeudi soir, présentation de HitWorks sur cette même salle et où vous pouvez y inviter des personnes qui ne sont peut-être pas encore distributeurs et qui souhaitent avoir des informations sur les produits et la compagnie. Bonne soirée, à très bientôt, bye bye.